Regardez-moi ce combo, c'est abusé. GT3 RS, Urus, Urus encore derrière, Ford GT, c'est n'importe quoi. C'est abusé. Elle est oufissime. Première que je vois, les amis. Yo les amis, c'est Jeux Supercar et bienvenue dans ce nouveau vlog de Car Spotting à Cannes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Car Spotting à Cannes et regardez comment il va bien commencer avec cette magnifique, non pas Huracan, mais juste ici, regardez, ma voiture favorite, elle est juste là, on va commencer par ça. McLaren SLR, en plus une 722 celle-ci, elle est juste folle. Donc let's go pour un nouveau Car Spotting. Abonne-toi à mes autres comptes si t'es toujours pas abonné. Jeux Supercar sur TikTok et sur Instagram, tu connais. Donc let's go sur le beau soleil de Cannes, c'est parti. Du coup les amis, regardez-moi cette beauté absolue. Je serai pas objectif, hein, c'est ma voiture favorite. Mais une SLR comme ça, 722 avec une plaque parfaite, regardez. Il y a le SLR 722, il y a juste un 2 de trop on va dire sur la plaque. Mais bon, c'est pas grave, elle est vraiment incroyable. Je vais quand même vous montrer aussi la face avant. On a une petite Huracan à côté. Pardon les mains là qui ont été posées sur la Huracan. Je veux pas savoir ce qui s'est passé, hein, ça ne me regarde pas. Mais regardez-moi cette beauté, 722 SLR, elle est clean, elle est propre, regardez-moi, même le brillant, un pneu, les jantes, toutes propres, il n'y a rien à dire. On va passer devant, je vais faire chier un petit peu le monde qui fait des photos malheureusement. Mais bon, regardez-moi ça, cette face avant, intemporelle. Cette voiture les amis, la SLR, elle a 20 ans, dites-vous bien qu'elle a 20 ans. La Huracan à côté, limite, personnellement, je la vois même pas, je la vois même pas, je ne vois que... cette SLR, elle est juste incroyable, magnifique. Ça me fait vraiment plaisir de commencer ce vlog par cette magnifique 722. Bam les amis, regardez direct sur la croisette. Regardez-moi cette 488 Pista. La config est juste incroyable. Violette, bande jaune et noire. Les jantes en carbone. L'intérieur jaune aussi, il est complètement dingue. La config est folle les gars. Elle est vraiment, vraiment folle. Et celle-ci nous provient également, regardez, forcément, de Dubaï. Elle est incroyable, en plus elle est très propre. Je suis absolument fan de cette piste. Alors je l'aurais peut-être préféré avec des jantes grises, parce que moi je suis fan des jantes grises, vous le savez à force. Mais là avec le pack carbone et les jantes carbone, franchement, une grosse dinguerie, j'adore. Regardez-moi cette deuxième tuerie sur la croisette, C63 Black Série Rouge. Elle est incroyable, en plus regardez, plaque Arabie Saoudite. Mais les plaques entre guillemets à l'ancienne, parce que maintenant ils sont obligés de mettre les plaques avec les chiffres également et les lettres européennes, on va dire ça comme ça. Là elle est vraiment en plaque de là-haut et je trouve ça vraiment très joli, très beau. Elle est posée comme ça sur la croisette, jantes noires, les petits liserés rouges qui ont été rajoutés, ça rajoute un petit peu d'agressivité. Et c'est bien une vraie Black Series les amis, hein. C'est pas un kit Black Series, mais c'est beau, très très beau. Là les amis, on arrive devant le Carlton, je vais vous filmer la line-up qu'il y a devant le Carlton. On commence par cette F8 qui est très gentille, vous allez me dire, elle provient du Qatar, mais celle-ci tout à l'heure on l'a vu rouler, je pense que je vous la filmerai dans les vidéos. Elle a un échappement, je comprends pas le boucan que ça fait, j'essaie de voir, je sais pas si c'est IPE ou autre, j'arrive pas à lire, mais elle fait des flammes, hein. Donc à tout moment, je vous filme cette voiture, cette petite F8 qui mine de rien ne ressemble pas à rien, mais entre guillemets la config est vraiment pas ouf, mais par contre elle peut faire des flammes, donc c'est intéressant pour les vidéos. Alors on va continuer la line-up. Pour le moment on va dire c'est gentil. Regardez, petite Bentley, toujours du Qatar. Qatar bien avec la plaque, regardez, c'est la plaque avec le logo Coupe du Monde. Bentayga en option. Les deux sont allumés, ils sont prêts à partir, chauffent les moteurs. Lui aussi avec la plaque entre guillemets de la Coupe du Monde, pas entre guillemets en fait, de la Coupe du Monde. On a, allez, petite voiture, oh, ça court, ça court, ça court. SF90. Ça court, ça court. Suivi d'un Clash G 4x4 au carré Brabus. Et là, les deux proviennent du Liban. Voilà, c'est assez exotique de voir des voitures du Liban. Petite SF90 plus le Clash G. Et là, j'ai envie de dire back to 2017. Hein. Voilà, ça change pas. Notre ami Yazid avec sa Chiron et son 6-6. De retour au Carlton, puisque le Carlton était en travaux récemment. Petit Urus de location, c'est beau. Donc voilà, il est de retour ici au Carlton. Ça fait quand même plaisir. Même si on les connaît quand même beaucoup maintenant. Hein. Toutes mes vidéos, en tout cas de ceux qui me suivent, vous les voyez depuis un moment dans mes vidéos, ces deux voitures là. Mais bon, ça fait toujours plaisir et encore plus
devant le Carlton qui est enfin ouvert. Donc il risque d'avoir de très beaux combos cet été devant le Carlton. Let's go les amis, on fait l'hôtel Martinez maintenant et il y a du gros combo, du très très lourd. Regardez déjà ça, Aventador. Et c'est pareil, plaque du Liban. Beaucoup de Libanais cette année sur la Côte d'Azur. Et on a surtout deux GT3 RS en 992. Il y a déjà une ici, noire et jante dorée. Plaque Dubaï, la plaque par contre les gars, elle est incroyable. Plaque 992, ça c'est ouf. Incroyable, je sais pas combien il l'a payé, mais franchement il a géré. Il y en a une deuxième juste ici, celle-ci en noir satin. Du coup, petite question du vlog, hein, tu connais, tu préfères la noire brillante ou la noire satin? Moi, personnellement, j'irais quand même peut-être plus sur la noire brillante, tout simplement, parce que celle-ci a des jantes noires, et les jantes noires, ça me perturbe. Alors oui, des jantes dorées, j'aurais trouvé ça super joli. Pfiou, la plaque aussi de cette 812 GTS, les amis, regardez. 8-8-8-8-8-8, plaque Dubaï. Incroyable la configuration dans ce gris souris. Celle-ci on ne voit pas, mais elle a un intérieur jaune, on verra peut-être le jour où elle sera décapotée. Mais là, cette GT3 RS, franchement, je kiffe bien. Je kiffe vraiment bien. Et la noire mat aussi, franchement, elle a de la gueule. La petite Huracan là-bas, magnifique, regardez la couleur. Huracan Evo Spider bleu. Hop, qui tourne là-haut sur la croisette. C'est beau, c'est très beau. Et pendant qu'on est au Martinez, je vais vous les filmer, même j'ai envie de dire, comme d'habitude, hein, regardez. La Chiron noire qui est de retour encore cette année. Elle aussi, ça fait un moment qu'elle vient, toujours avec son Cullinan. Donc là, ils sont au Martinez comme l'année dernière. On les filmera, vous inquiétez pas, en train de rouler, c'est rien que je m'attarde ici devant l'hôtel. Mais là, le combo est quand même plutôt cool. Beau la config, beau. Regardez-moi ça, ce gros monstre. G63 6x6 AMG du Koweït, noir satin, il est incroyable. Du coup, c'est le deuxième 6x6 qu'il y a sur la croisette. Alors, je vais essayer de traverser. Hop, j'en profite, il n'y a personne, pour vous montrer un peu la bête de profil. Parce que c'est ça le plus important. Ce véhicule, c'est la taille du véhicule. Il est incroyable. Moi perso, j'adore. J'ai toujours kiffé ça. Et j'assume à 100%. Devant aussi, j'adore, hein, forcément. Cette Tassia Sandero, c'est faux. Mais il force lui avec son Urus. Du coup, SV, Aventador SV du Koweït, elle est incroyable aussi. Blanc, nacré, les petits détails jaunes. Je suis fan. Vénère la turbo, la noire satin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un classe G. Là, on a une turbo. Je crois qu'elle vient du Koweït ou du Qatar. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est les versions européennes des plaques des Saoudiens. La config est folle aussi. Hein. Un peu green, intérieur marron, les jantes qui vont bien. Et là, par contre, il y a quelque chose de très chaud. Alors, vous allez me dire, c'est juste un Cullinan. Ok, mais regardez la plaque. Regardez la plaque. La plaque, c'est juste marqué 99. Ça doit coûter je sais pas combien de milliers d'euros pour avoir cette plaque 99. Presque on veut dire pourquoi pas même millions d'euros sur un Cullinan, la plaque 99. Elle est magnifique. C'est ouf. Ça, ce genre de plaque-là, ça me fait kiffer. On a d'autres véhicules encore ici. Regardez, il y en a une autre là-bas que je vais traverser parce que je viens de repérer une magnifique Pista Spider. Mais avant, je vous montre quand même cette Pista-là. Jaune, vraiment belle aussi, du Koweït, beaucoup de Koweït hein, à l'hôtel Marriott. Intérieur tout rouge, Alcantara, config McDonald's, hein, j'ai envie de dire, jaune et rouge, tu connais. Donc c'est beau. Du coup, j'ai quand même traversé parce qu'il y a pépite là-bas. Regardez-moi cette haute 488 Pista qui est vraiment très jolie aussi. Pareil du Koweït, hein, comme celle qui est là-haut en jaune, sauf que celle-ci, c'est une Spider bleue, bande blanche, intérieur tout Alcantara brun. Jante dorée, c'est vraiment une très belle configuration. Par contre, elle s'est fait démonter, elle s'est fait chier dessus. Du coup, frérot, je vais peut-être pas rester en dessous de cet arbre, tu connais. J'ai pas envie de terminer comme cette 488 Pista. Allez, je me casse. Joli Aventador S Roadster de Belgique. Le V12. Jeune arrivée Urus du Qatar. Oh, elle est vite teintée, elles sont teintées hein. C'est le cas de le dire, Urus jaune from Qatar, c'est bon. Très sympa cette Huracan Evo Spider.
Russe Mansory, gris satin, carbone, tout ça, tout ça. Ouais. Petite F430 Spider, ça fait plaisir. Et juste derrière, on a une Mustang Shelby qui est très énervée. Mais je vous filme déjà cette belle F430 Spider, ça fait plaisir. Et là, on a une Shelby vraiment vénère, même les jantes. Shelby GT350. Les jantes sont ouf par contre. America. Alors les amis, là, il y a du lourd qui arrive. Regardez, Ford GT bleu. Incroyable. Celle-ci, c'est quoi? Black Kuwait. Dinguerie. Dinguerie. Pop, pop, pop. Ça conduit spécial avec la plus petite plaque du monde. C'est vraiment beau. Une 458 spéciale. En plus, celle-ci, je crois qu'elle a les feux teintés à l'arrière. Vous savez, les feux Novitec à l'arrière. Exactement, feu carbone à l'arrière. C'est beau. T3 RS du Qatar. Échappement pas d'origine. Hein. Vu le prix que ça fait. Ouais, non, lui, à mon avis, il peut faire beaucoup de bruit. Par contre, là, on a la sublime Pista qui passe, qu'on a filmé tout à l'heure. Elle est vraiment jolie. Hein. La config est vraiment folle. Vraiment belle. Magnifique. Les gars, je crois que je viens de repérer au loin. Oui, allez, c'est bon. Bugatti Veyron qui arrive. Ça, c'est bon. Regardez ça. Je me permets un petit zoom. Ouais, non, le zoom dans la tête du mec, voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait plaisir, ça. Veyron. Ah, c'est beau les amis, Aventador, première génération bleue. Oui monsieur. Ah très bien, là j'étais pas pris, regardez. SVJ suivi d'une 812 magnifique GTS. Depuis le balcon posé, c'est beau. Rue d'Antibes, je suis tombé sur cette pépite, regardez-moi cette Turbo S. La config est vraiment belle. Hein. Bleu, étrier jaune, l'aéropac et compagnie. Ça fait très summer, c'est parfait pour Cannes. Couleur chaise bleue de Cannes. Il est vraiment pépite, ce Urus, la configuration. J'aime beaucoup. Line-up Carlton, petite nouveauté, regardez. Une Ferrari 812 en or. Oh ta gueule toi. Ferrari 812 en or. Voilà, wrap or, hein, bien entendu. Eh ben écoutez, ça vient tout droit de GTA, j'ai envie de dire. Hein. Par contre, elle fait un beau bruit, donc j'espère qu'on la verra rouler un petit peu plus tard, mais pour le coup ça attire vraiment la foule, une Ferrari couleur or. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, belle Rolls, la config est vraiment magnifique. Saoud, je l'avais pas encore vue celle-ci, donc à mon avis elle vient d'arriver, elle va être déchargée d'un camion. SF80, ouh là là là, là où il y a du lourd, il y a du lourd, on va monter là-haut. J'ai repéré 812 Competition et je crois que derrière il y a autre chose. Là voici la 812 Competition HSN. Il a l'habitude de venir avec pas mal de voitures à chaque fois à Cannes. Il a aussi une Aventador SVJ qui fait un bruit de monstre avec une plaque V12 HSN. Donc là, il a sorti la 812 Competition. Et là, il y a un pote à lui, pareil. Il a une SVJ. Alors, je crois que c'est son frère de ce que j'ai compris. Et sachez que, voilà, que l'autre propriétaire, normalement, il a quasiment la même SVJ que lui, en noir comme ça, très énervé. Alors celle-ci, je crois qu'elle a les échappements modifiés. Je vais aller voir ça derrière. Parce que quand ça a les échappements modifiés, c'est très intéressant de les voir rouler. Bien entendu, donc voilà, petit combo sympa devant le Carlton. Oui, alors oui, 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 alors oui. Regardez-moi les échappements. Pardon. Échappement IPE, j'ai l'impression, ou Capristo, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un beau combo. Waouh, 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 les amis, là, on a une pépite à l'hôtel Martinez. Regardez cette 911 Sport Classique. La config, elle est incroyable. Vraiment dinguissible. Couleur beige, même les jantes, regardez. D'habitude, on les voit plus en gris. On les voit quasiment que en gris même. Et du coup, regardez la config avec les jantes de la même configuration. Elle est ouf. Autour de la vitre aussi, c'est en beige. Il n'y a pas de chrome. Elle est vraiment magnifique.
C'est vraiment une vraie pépite. Elle est incroyable. J'ai passé un grand angle pour que vous la voyez un petit peu mieux. Je vais essayer de vous filmer l'avant, même si c'est compliqué. Hop, avec le grand angle, ça devrait passer. Non, elle est folle. C'est une des sports classiques les plus folles que j'ai jamais vues. Et pour reconnaître les sports classiques, pour ceux vraiment qui ont du mal à reconnaître ça, vous avez ce galbe sur le capot et surtout sur le toit. C'est vraiment spécifique au sport classique. En plus de l'aileron, entre guillemets, on peut dire l'aileron peut se rajouter aftermarket sur une 992. Par contre, ces éléments-là d'aérodynamisme juste au-dessus, eux non. C'est spécifique à cette version-là. Petit logo exclusive manufacture. Donc elle est vraiment unique en fait, cette spec sur cette 911 sport classique. Ça c'est beau. Là je suis amoureux. Belle pépite. Magnifique ce Urus Performante, tout doré, très beau, très 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 beau. Alors j'étais en train de regarder la mer tranquillement à Cannes quand la passion revient toujours. Regarde ce qu'ils ont mis sur la croisette, les gars, une œuvre d'art entre guillemets. Alors je sais pas c'est qui, c'est Banksy ou n'importe qui, j'en sais rien du tout, c'est même pas signé, mais c'est une trappe à essence de Bugatti. Genre là sur la croisette t'as une trappe à essence de Bugatti. C'est ouf, c'est trop stylé en vrai, c'est vraiment trop stylé. Hop là, regardez ce qu'on vient de retrouver sur la croisette, c'est celle que j'ai filmée tout à l'heure depuis l'appartement. Donc SVJ, super. Par contre là il y a une 812 qui arrive je crois. Du coup combo V12, c'est beau. Petite 812 GTS, petit M2 gratuit. Et du coup SVJ blanche, celle que j'ai filmée tout à l'heure. Elle est vraiment propre comme ça en blanc, avec le toit noir mat. Je sais pas si les échappements sont stock ou pas. Je crois qu'elle était stock, elle faisait pas un bruit de fou tout à l'heure. À mon avis, ouais, échappement stock. Mais ça fait plaisir. GT2 RS là les amis. Pas de plaque à l'avant. Ça à mon avis, ça va être encore du Qatar, info sûre. Ouais, par contre avec les bouchons, je vais avancer, ça ira plus vite. Écoutez-moi ce souffle que ça fait quand même. Pardon la plaque. Là c'est 1-3-2 la plaque, là c'est chaud. Là c'est très très chaud la plaque. Je vous filme cette nouvelle SL juste pour la plaque, regardez. Plaque parfaite. AMG 63 sur une SL 63 AMG. Le gros combo là. On a même la 812 Competition là-haut, GT3 RS, Urus, Urus, Ford GT, Urus. C'est abusé. Regardez-moi ce combo, c'est abusé. GT3 RS, Urus, 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 Urus encore derrière. Ford GT, c'est n'importe quoi. C'est abusé. Encore une GT3 RS. Il y a énormément de GT3 RS cette année. C'est pas la même, celle-ci c'est un belge. Ah très bien. La SVJ avec les échappements modifiés qui sort du Carlton. Alors là il doit avoir les valves fermées parce qu'à mon avis il doit faire beaucoup plus de bruit que ça. Alors les amis c'est très chaud, il y a la Bentley Bacalar ou Balacar, je sais même plus comment elle s'appelle. Mais elle est incroyable, elle arrive, elle va sortir du Carlton. J'étais absolument pas prêt de la voir, j'espère qu'elle va sortir. En même temps, elle n'a pas trop le choix vu comment elle est mise, elle va arriver. Là, c'est chaud, les amis. Là, c'est très, 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 très chaud. Regardez-moi ça. C'est la première que je vois, les amis. C'est même pas celle que je pensais qui était immatriculée au Qatar, c'en a une autre apparemment. Première que je vois. Regardez-moi cette beauté. Incroyable. Elle est oufissime. Première que je vois, les amis. Ah si, celle du Qatar. Incroyable. 812 Competition.
C'est vraiment un monstre cette voiture, les amis. Pardon le bruit qu'elle fait. Il est en cold startup ou quoi? C'est chelou. Elle chante très fort. Bah ouais, mais ouais. Elle chante très fort pour une SF90, les gars. Là, il y a une ligne.